David Chan. Hello. Alors David Chan est un cosplayer qui tombe super bien sur les conventions et qui a été récompensé, me semble. Oui, voilà. Vas-y, dis-nous ton palmarès. J'ai fait beaucoup de concours. Donc, après, j'ai pas fait des grands concours internationaux et tout. C'est plutôt des petites conventions ou polymanga ou trucs comme ça. Souvent en duo avec Doty d'ailleurs. Et voilà, j'ai eu plusieurs prix, mais je ne fais pas la liste. Doty Trunk qui n'est pas là. Là, je suis invité avec Anne-Sheila. Anne-Sheila qui est là. Qui est en train de se changer en Xena la guerrière. Et d'ailleurs, voilà, elle va passer à la moulinette tout à l'heure. Oui. Ouais, c'est surtout Mathilde qui connaît cosplayer qui m'a dit ouais, folie. Voilà. Moi, je ne suis pas trop cosplay. J'aimerais bien. Mais il faut essayer. Je manque de temps. Ah oui. Ça je suis pas douée, je suis en couture. Bah après, ça, c'est pas très grave, mais. Je t'avoue, j'ai fait Shira pour le Manga Galaxy de Valence. Bah, c'est un costume que j'ai acheté et que j'ai repris aux hanches et tout parce que j'ai galéré avec la perruque pour fixer le. Merde, je mets de voiture. Pour fixer le. Le diadème, elle a un diadème Shira. Ah, ok, d'accord. Et voilà, mais je suis pas si douée que ça. Ah bah c'est en forgeron qu'on devient un forgeron. Bah ouais. Et voilà, je suis. Mais c'est Mathilde, là, elle est en civil, ouais. Comme tu vois. En civil oui. Sauf. Oui. Mais elle est douée en couture. Elle est d'accord. Légère. Je l'embaucherai. Ok. Alors ça fait combien de temps que tu cosplay? Moi j'ai commencé en 2012 en faisant ma première convention. Et depuis je continue. C'était quelle convention? C'était une convention à Mâcon. Je me souviens un peu d'une convention geek. Et t'as fait quoi? C'était à l'époque, j'avais fait plusieurs cosplays, donc j'avais commencé avec 4 Captain Sakura, Mario Bros, Mary Poppins et Cruella. Donc c'était mes premiers cosplays. Cruella, j'ai vu les photos, je l'avais pas vu, mais il est magnifique. Hein. Franchement, Cruella, il est super bien réussi. Enfin, maquillage, merci. Il est top. Hein. Et quel est le personnage que t'as préféré incarner au final en cosplay? Celui que je préfère incarner, c'est Marraine la Bonne Fée. De Shrek, c'est, parce que c'est celui avec lequel je m'amuse le plus en roleplay et dans les conventions. Donc en fait, tu te balades et tu fais marraine, quoi. Voilà. Tu bénis les gens. Le kiff. Franchement, c'est le kiff, quoi. Et tu fais tout toi-même ou tu as de l'aide au niveau couture? Non, il y a des cosplays que oui, je fais moi-même. Il y a des cosplays qui sont plutôt des cosplays placards, comme Closer, où j'ai acheté la chemise, le pantalon. J'ai un peu tout. J'ai pas de honte à avoir des cosplays que j'ai achetés et customisés. Donc voilà. Ensuite, petite question. Autre. C'est quoi tes prochains cosplays? Prochain cosplay prévu, si tu veux en parler. Le hein, prochain, parce que le prochain fois, c'est. Overwatch, c'est le trooper de Overwatch et, qui est en cours, donc que je pense pas avoir fini pour Japan Expo, mais peut-être pour la fin d'année. Voilà. Tu faisais pas d'international, mais t'aimerais en faire Si, j'en fais, là, je suis en Serbie dans 2 semaines et dans un autre pays, mais j'ai pas le droit encore de dire où je vais, tant que c'est pas annoncé. Top secret, il y a du sponsor derrière? Non, il n'y a pas de sponsor, c'est juste la convention qui veut pas que je l'annonce tant que eux l'annoncent pas. Ah, c'est cool, ouais. Ça, c'est classe. Et dis-moi, quel conseil tu auras donné à nos petites lectrices concernant le cosplay? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà se lancer comme toi, tu vois, parce que tu hésites. Bim, bim, bim. Ne pas hésiter à se lancer et ne pas oublier que dans cosplay il y a costume et playing. Donc ne pas oublier les deux parties qui sont importantes. Donc, voilà, éclatez-vous, amusez-vous. Et un petit mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais comme petite bafouille, n'importe quoi? Qu'est-ce que tu veux leur dire à notre lectrice? Lancez-vous et amusez-vous dans cet univers. Voilà. Bien, merci beaucoup, je te merci libère et puis on va essayer de passer aux autres interviews. Faut que j'arrête avec mon doigt sur ça. Allez, ciao. Bonne ciao. Convention.